Grüezi Leute, aujourd'hui je vais vous présenter la troisième station de radio de Suisse romande, Couleur 3. Le 24 février 1982, à midi, après une conférence de presse à Lausanne, Léo Schürmann, patron de la SSR, presse le bouton qui lance sur les ondes le tout premier jingle de Couleur 3. Couleur 3 est née et désormais, les heures sont jaunes, blanches, rouges, bleues ou noires. Jean-Charles annonce les trois premiers disques, dans l'ordre, Robert Charlebois, Super Baby, Joe Cocker et Santana. La première véritable émission de la chaîne débute à 13h, il s'agit des Heures Blanches, avec au micro François Benedetti qui sera le directeur de la station de 1987 à 1992. À 17h, ce dernier passe le micro aux animateurs des Heures Rouges, plus rock, tumeur. Cette première journée se termine avec les Heures Bleues de 21h à minuit, à 1h, pardon, dans une ambiance rhythm and blues and jazzy, suivie de 1h à 5h des Heures Noires. Parmi toutes les premières voix de Couleur 3, on retrouve entre autres René Claude, Bruno Seriba, Nancy Ypsilantis, Gilles Perroux, Cyril Azam et Lucille Solari. Nancy Ypsilantis et Lucille Solari seront par la suite animatrices sur la première. Les émissions les plus écoutées sont Les Bras Cassés, Les Métissages, Navuno, Pili Pili et Point Barre. Le logo représente RTS transparent sur fond rose et Couleur 3 rose sur fond transparent. Je vous mets le lien de la médiathèque de la RTS dans la description. Je vous souhaite une bonne écoute.